and talk to you for hours. And some champagne showers. Bonjour. Salut, là, on se retrouve pour une... Attendez, on fait notre photo, la photo. Salut, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on sait pas trop ce qu'on fait. On n'a pas de programme précis, c'est juste qu'on va se promener. On va retrouver un Sonny Angèle. Aujourd'hui avec nous, il y a le mec d'Oriane. Noam. Qui est quelque part par là. Il est parti. On n'a pas grand chose de prévu, à part que ça, on mange une petite galette des rois. Je rentre demain, donc je sais pas si c'est le dernier vlog ou l'avant-dernier vlog. Et aujourd'hui, on est les opposés. D'habitude, c'est moi la beurette, là. Aujourd'hui, c'est elle la beurette. J'ai juste mis du rouge à lèvres rouge, mais ouais. C'est trop une mytho parce que c'est elle qui s'est fait un petit full face. Non, pas l'autre. Bah ouais, du coup, j'ai pas fait un full face. J'ai fait exprès de pas maquiller mon teint parce que sinon, je vais jamais me réaccepter démaquiller. Bonjour. Oups. Regardez le sportif du dimanche. On le voit au loin, on le voit. C'est un petit il y a tout qui traîne. Mais il perd son... Votre ressenti. Ça va. Sans commentaire. Sans commentaire. Regardez, on a trouvé le petit Sonny pour la petite fille. Putain, va ramasser. Je sais. Ça rageux. Ah, pointez-le du doigt. Ah. Bon, bah là, on se dirige vers la place. C'est quoi le nom de la place? La grande place. Attends, t'appelles ça le push des Strunz? Ah, est-ce qu'on comprend mieux? J'ai acheté une petite dinguerie, mais c'est un peu pour rire, donc je vous montrerai tout à l'heure. Bon bah je crois que nous sommes arrivés à la place. C'est incroyable. C'est encore plus beau en vrai. Je parie 100 balles qu'ils veulent que je les prenne en photo devant le sapin. T'as dit quoi? Tu peux nous quoi? Nous prendre en photo. La porte qui porte chance. Ça c'est le truc que le monde entier vient voir et le machin il fait genre 10 cm de hauteur. Moi je pensais vraiment que ça allait faire ça. Bon, petit apéro. Il faut que vous sachiez, je ne suis pas, je fais pas 2 mètres, hein, c'est juste eux qui sont. Non, elle fait 2 mètres 30. Le bandit, oh le bandit. Oh merde,
par une mauvaise personne. Là, on est en route pour aller à Carrefour. Rapidement pour aller acheter de l'Haïti vite fait pour ma dernière soirée. Mais c'est pas grave parce qu'on repart pour un road trip à Paris mercredi. Comme à nos débuts. C'est trop moche. Attends. Ferme les yeux, ça fait mal. Hein. Pas plus loin. Alors t'as dignité sur YouTube. Ah ouais, je kiffe. Qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Moi aussi, tu veux que je fasse? Vas-y, regarde-moi. Ils sont... Mais qui fait ça? On vient toujours de rentrer, il n'y a pas de lumière. Et je vous ai dit que j'avais acheté un truc. Alors, avant, il faut que je vous explique quelque chose. Pour pas vous penser que je suis une meuf trop chelou. De 1, je sais que c'est un faux. C'est fait exprès parce que je vais pas mettre plus de 100 balles dedans. De 2, en fait, je suis une grosse fan, une grosse... Slowel. Il se pourrait que tout le monde sait que je suis une grosse fan et m'envoie les edits sur TikTok, sur Insta. Attention, transition. Tada! Tada! Alors, je le porte en pigé pour rire, quoi, parce que bah, je vais pas sortir avec dans la rue. Surtout que vous pouvez voir que le logo n'est pas vrai. Mais bon, vu le prix que je l'ai payé comparé au prix du vrai maillot, je suis pas une BDH à ce point non plus. Cuisine, monsieur cuisine. En France. Oh, mais toi, tu perds ta dignité toute la soirée, par contre, hein. Et tantôt. On dirait qu'il est mort son poulet. Ah ouais, il est mort. Mais pourquoi... Pourquoi le poulet il a les pattes en l'air là? Mais... Il fait taper le couteau pour faire genre que c'est un beau bruit. Ouais. Vas-y, je fais un gros plan sur ta tranche. Ça c'est ce qu'on recherche. Hein. La... Waouh. Mon dernier repas. Non. Juste mon dernier repas. Prendre une petite pomme pote, la mettre comme ça à côté pour manger mon poulet. Mais tu dégoûtes toi. Mais t'es fou. Ah non, mais là c'est sûr, t'as plus aucune dignité sur internet là. Bon, je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Donc là on est installé à 3. C'est la fin des vlogs en Belgique. Peut-être qu'on se retrouvera l'année prochaine. En tout cas, il y a un vlog à Paris qui va arriver du coup parce que je pars à Paris mercredi. Après cet été, on aura plein de vlogs parce que je travaille à l'étranger et je monte le Mont Blanc aussi. Donc. Je vais sortir des petites vidéos, mais juste entre temps, je sais pas ce qui va se passer du tout. Je sais juste que je vais faire des petites vidéos face cam parce que. Mais qu'est-ce que vous faites, vous? D'ailleurs, on a toujours pas mangé la galette de roi, donc si on la mange, je vous montrerai qui a eu la fève après. C'est moi! Vous savez, c'est bon quand quelqu'un a trouvé la fève et que t'as même plus envie de continuer à plus que t'as plus envie de galette de roi comme les youtubeurs. Mais regardez, on est tous les deux. En date parce qu'il nous a abandonné. Elle dort. Voilà, donc c'est la fin de ces vlogs en Belgique. Et on se dit à la prochaine. Bisous!